Bonjour tout le monde, Joanne ici, merci d'être là. Bienvenue sur ma chaîne au jour 64 de mon défi de 100 jours, de 100 Day Project. Alors, c'est un défi que je fais en faisant du collage dans un petit cahier de 5 par 8 à peu près ici, mon Canson en mix média, et en pigeant des retailles au hasard. Alors, j'ai tout plein de retailles ici qui sont à peu près maximum le format de mon cahier. Et puis, donc, c'est ça. Alors, je pige pendant 10 minutes avec mon minuteur. Ah ouais. Et j'essaye d'arriver à quelque chose. Alors, voilà pour l'explication du projet. Il y a une liste de lecture dans la description de cette vidéo. Alors, tu pourras, qui regroupe l'ensemble là, des jours. C'est ici, si on fait un petit retour sur celui d'hier, le jour 63, c'est mon collage d'hier. J'avais une belle petite feuille jaune ici sur mon lierre qui demandait à être ailleurs que sur la plante, hein, à la couleur qu'elle a. Alors, j'ai décidé de la mettre ici. Je trouve que c'est vraiment sa place. Je n'ai aucune idée. Je l'ai collé avec la colle en bâton, là, avec ceci, ici. J'ai aucune idée de comment ça va vieillir. Ce sera une expérience. Est-ce que ça restera beau? On ne le sait pas. C'est ce que l'on verra. Alors, je tourne la page. Je trouve qu'elle fait un peu photo Polaroid. J'aime les couleurs. Ça fait très printanier. C'est ce qui m'a peut-être motivée dans mes petits achats d'hier. Je te montrerai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais tourner la page. Et oui, commencer le jour 64, qui n'attend que nous. Hein? Alors, je pars le minuteur ici et je fais une première pige sans regarder. Je regarde dehors, il fait gris ce matin. Bon, ça c'est très beau. Oh, regarde, est-ce qu'on utiliserait ce côté-ci ou ce côté-là? On ne le sait pas. Alors, pour l'instant, je vais la laisser. J'aime beaucoup ce côté-là. J'aime ça, ça ici, là. Le petit arbre, là, un peu brumeux, là. On va la mettre là, on va voir ce qu'on va piger d'autre pour aller avec. Et j'en ai deux. Et, oh oui, regardons si c'est beau, ça. C'était la couture d'un ballon de football. Alors, ça peut maintenant être toutes sortes de choses. Il va falloir lui trouver une utilité. Ça ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! On a quelque chose, hein? On ne sait pas trop, mais on a quelque chose pour faire à manger. Bon. Donc. Moi, ça comme ça, j'aime ça. Oh, je trouve ça beau, mais ça fait le... Ah, oh, wow! Wow, wow! Excusez, je suis en extase. Oh, wow! Ben oui. Alors, ça va être ça ce matin. Regarde, quand on l'aime, on le colle. On le colle. On va commencer par ça. Avec ce côté-là, que j'ai besoin d'une petite douceur. Ça a de l'air. Hein? Alors là, je veux que ça arrive à quel endroit? Ici. Comme ça. J'essaye à faire une ligne un peu droite ici, là. Je suis tellement pas dans la nature droite, moi. Plus que je mesure, moins c'est droit. Hein? C'est ça, c'est moi. Alors voilà, une chose de décider. Là, on avait ça ici aussi. Je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça. C'est un drôle de petit morceau, pris indépendamment comme ça. Il fait un peu une colonne vertébrale, hein? Je trouve. Peut-être qu'il va falloir attendre et voir qu'est-ce qu'on va piger d'autre. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va y retourner. Et nous avons ici une photocopie d'une de mes fleurs. OK.
Ouais, j'enligne les contours ce matin. Regarde la ligne ici, là, sur l'autre en extérieur. Ça peut être intéressant. Ça, c'est super beau, là, cette petite déchirure-là. Alors, ça serait une idée. Est-ce que comme ça pourrait être intéressant aussi, en coupant le blanc? Ça pourrait. Et en dessous. Ça dérange mon petit carré que j'avais tantôt, hein? Ça me dérange un peu moi-même. Non, s'il y a quelque part, ça serait plus en haut qu'en bas. Ça, j'haïs pas ça. Plus que ça? Est-ce qu'on aime ça plus que ça? Je pense que oui. OK. Donc, on enlève le blanc. Ah, quand ils s'emboîtent l'un dans l'autre, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, OK. Et s'ils s'emboîtent dans l'autre sens, qu'est-ce que ça change? Ah, ça crée des directions. Je trouve ça intéressant. Bon, une autre décision ce matin. Comment je l'avais mis comme ça? OK. Alors, est-ce que ça, c'est mieux? Je regarde mon téléphone pour voir, avoir un certain recul. Est-ce que ça, c'est mieux? Ou est-ce que ça, c'est mieux? Je pense que ça, j'aime beaucoup la dynamique ici, mais de l'autre côté, j'aime beaucoup. Cette dynamique-là. Alors, je vais devoir faire un choix parce que je ne peux pas avoir les deux. Et si ça, c'était moins long et que ça n'entrait pas complètement en dessous. Oh, regarde, ça vient faire une belle ouverture ici. Peut-être que oui. OK. D'accord. Vendu. J'y vais. Et regarde bien quelque chose ici, là. Hein? C'est merveilleux, hein? Je les ai lavés hier. Bravo. Finalement, je me suis décidée. J'en avais deux paires, alors, à laver. Alors, tu vois, si je l'agrandis, je viens joindre cette espèce de petite courbe ici, là. Là, je ne suis pas sûre que je vais le coller sur la feuille tout de suite. Alors, je vais y aller avec juste cette portion-là pour l'instant. Et le papier est tellement mince que regarde, on voit le petit ruban à travers. Alors, en d'autres temps, j'aurais pas mis le collant là, je l'aurais mis ailleurs pour justement ne pas voir à travers. Mais on voit l'image complètement à travers. Ce que j'avais fait dans un autre collage, c'est que j'avais mis quelque chose en dessous de noir, un carton noir. Et c'était venu faire une différence. Là, j'en ai pas sous la main pour te montrer, mais ça avait fait une différence. Alors, c'est quelque chose à essayer. Parenthèse. Ah, oh, regarde. Ça pourrait, hein?
a bien dérangé mon petit tout ça ici, par exemple, là. Un drôle de petit morceau finalement. Il reste 1 minute 43. Alors, ça, c'est les blancs que j'ai coupés. C'est pas bon. Alors, est-ce que je pige autre chose? Ça vaut fort. Écoute, ça va tout changer dans le collage. Bon. Bien, bien, bien. C'est très beau. C'est pas que c'est pas beau. C'est mini. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben oui. Ça ne vient pas résoudre mon questionnement par rapport à mon espèce de colonne vertébrale ici, là. J'aime beaucoup la courbe ici, alors je n'ai pas envie que ça vienne le changer. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon. Peut-être comme ça, ouais, ok, comme ça. Ça va cacher le petit gris ici, faire comme un deuxième carré. On ne veut pas le mettre sur le fond tout de suite. Et ça, ben oui, avec 22 secondes à aller. Écoute, ça me parle, mais pas du tout. Ah, merci, merci de me ramener à l'heure. Bon, je vais commencer par coller celui d'en haut, puisque c'est là qu'on est rendu. Et ceci, je viendrai, à moins que je vienne. Je viendrai mettre quelque chose en dessous comme ça. C'est un peu dol. Ça, c'est intéressant. Ici, là, la petite portion en ouverture. Pas mal la seule chose qui est intéressante dans l'histoire. Ça, peut-être, par-dessus. Pouf! Et en dessous, ici. C'est trop haut. C'est sûr que j'aurais pu couper ça carré, hein? Oui, donc. Pour enlever cette portion-là en dessous. Comme ça. Là, on est quand même pris avec lui, hein? Drôle de petit morceau, là. Regarde, on va le cacher en dessous. Bon, ok, je vais y mettre un collant ici, là, parce que je voudrais pas que ça finisse par se déchirer. Je vais essayer de coller sur la portion plus épaisse, comme ça, et ça va embarquer par-dessus. Ça va m'éviter d'en mettre un dans ce coin-là. Alors ça, c'est une chose. Bon, c'est tellement beau, ça, cette portion-là. J'aime beaucoup ça.
Ça pourrait, regarde, ça vient faire une suite à ça. Et si je l'entre en dessous, là, j'ai ça qui vient coller, hein, qui vient déranger ma glissade. On va le mettre là, tiens, comme ça, on le voit moins. Il me dérange un peu moins. Donc, ici, ça, c'est bien. On aime ça, cette portion-là. Sinon, on aurait peut-être quelque chose comme ça en dessous. Mais on aime bien ça. Alors là, on est pris avec ça. Et puis, c'est cela. Puis là, on a tout ça ici. Si je le mets comme ça, et si je le mets comme ça, écoute, on ne sait pas quoi faire avec. Je ne sais pas si toi, tu me cries des idées, là, ici, que j'entends pas. Mais ça serait intéressant d'entendre. Alors, ben, écoute, comme on est pris avec, on l'a pigé, hein, on va faire quelque chose avec. Si je le mets dans le milieu, ici, est-ce que ça dérange quelque chose? Ça vient casser la douceur que je trouve ici. Je ne l'avais pas essayé comme ça. Je l'aime, mais pas ni d'un bord ni de l'autre. La contrainte de jouer avec, hein? Peut-être c'est comme ça que c'est moins pire. Mais voilà, je me décide. Je vais être encore ici ce soir. Ah. La flèche par là? Bon. Non, je ne l'ai pas essayé dans ce sens-là non plus. Là, je m'excuse, c'était tanné, là. Je suis désolée. Je pourrais peut-être ne pas tout le prendre, hein? En prendre juste une partie, c'est une autre solution. Je n'avais pas pensé non plus. Je n'ai pas ça qui dépasse, là. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas plus rapport, là, mais... Je suis prêt avec. Bon. Alors, si j'en mets un bout ici, comme ça. Et un bout ici, comme ça. Voilà, des champignons à plusieurs étages. Bon, écoute, dans d'autres temps, je le garrocherai d'un coin, comme ça. Mais j'essaye de me parler. Et si je le mets comme ça et comme ça, bon, je sais pas toi si ça te parle, moi ça me parle, mais pas du tout, du tout. Là, je vais prendre le plus petit. Que j'ai arrondi un peu. Que je vais me décider et le mettre là. Même si on ne l'aime pas. Oh, on n'a plus de collant ici. 19 minutes. Alors, ça fait combien de minutes que je gosse là et que j'essaye à faire quelque chose avec ça? Je ne sais pas. Trop de minutes. Désolée.
Alors, ça comme ça, là. Et ça, si je laisse une ouverture et que je continue comme ça, c'est comme si ça appelle pour monter. Mais je pourrais aussi venir le mettre comme ça, tiens. On voit pas pourquoi, on sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, allons-y. Puisqu'il faut prendre une décision. Voilà. Et ça, ben, c'est mon petit bout que j'ai coupé et que je vais laisser tomber. Donc ici, ben oui, hein, on a une belle grande ouverture, là. Est-ce que là, ici, j'aurais quelque chose qui pourrait fitter dans cette composition? Je pourrais l'asseoir là, hein, tiens. Regarde, ça pourrait être ça, là. Ça viendrait s'asseoir sur ces drôles de patentes-là. Ouais, j'aime ça. Ça laisse toujours cette ouverture-là, hein. On en a une belle ici. Regarde si elle est belle, cet enfant. Regarde-moi ça. Qui pourrait être ici et regarder tout ça. Mais qu'est-ce que t'as mis là, Joanne? Mais qu'est-ce que t'as mis là? Alors, lui aussi, il est un peu surpris, mais qu'est-ce que t'as mis là? Alors, comme il en manque un bout, on y cache les yeux, on le rentre en dessous. Alors, il y a lui ici qui est suspendu, il dépasse. Ah, ben, il pourrait rentrer en dessous, là. Ça serait une autre solution. Il y a elle qui a un petit air, un petit peu, je m'en fous pas mal. Qui pourrait rentrer là, par-dessus, toujours. Je laisse encore cette ouverture-là. Il y a quelque chose avec elle. Hein? Ça, c'est intéressant aussi. Mais j'aime bien l'autre qui est assis dessus, là, à date. Là. Et elle ici, qui nous montre je ne sais pas trop quoi, qui pourrait être intéressante aussi. C'est comme si elle regardait le décor. Hein? Oh, qu'elle est belle! J'aime pas sa main ici qui finit, là. Il faudrait qu'elle aille en dessous. Mais ça ne correspond pas pour entrer en dessous. Alors, ça, c'en est une. Alors, les préférés, à date, il y aurait elle. Que j'aime bien à cause aussi de ses couleurs. À cause qu'elle arrive... voyons, je l'avais tantôt. Elle arrive, elle est comme un peu assise. Oups. Elle est comme un peu assise dessus. Alors, on aurait le choix entre elle. La couleur est bonne. Là, ça fait un rappel du vert. Ça le fait ressortir. Et on aurait elle. Alors, si je regarde encore avec un petit peu de recul, ça, c'est intéressant. Elle est plus petite. Et elle prend plus de place. Mais je pense que j'y vais avec elle. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça? Une autre décision. Je suis capable d'en prendre le matin. Des décisions. Alors, elle ou elle? Ben tiens, regarde, on va passer au vote, je pense. Alors, je te donne le choix. Tu me dis ça en commentaire. Je mets celle-ci. Où je mets celle-là? Alors, j'attends tes réponses. Et demain, demain matin, quand je vais faire le petit retour sur le jour 64, j'allais dire 24, 64, eh bien, je vais coller celle qui aura le plus de votes. Alors, voilà. Hey, la décision vient d'être prise. Peu importe ce qu'elle sera, je pense que les deux vont être bonnes. Alors voilà, le collage, mon collage du jour 64. Alors j'attends ta réponse et puis on se revoit demain.
pour le jour 65. Bye, bonne journée!